aussi, je vais super bien. Aujourd'hui, Sindel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que tu vas nous montrer sous ce petit sapin? Des squishy pets. Ah, tu me montres un paquet? Merci, tu en as combien à ouvrir? 4 paquets, alors souvenez-vous. Et 3 et 4. 1, 2. D'accord. 3, 4. Super. Eh bien, souvenez-vous, il y a un petit moment de ça, avant Halloween, on avait ouvert des squishy poo licornes. Je sais pas. Ouais, tu te souviens? De chez Altaïa, et je crois que c'est pareil de chez Altaïa. Oui, voilà, de chez Altaïa. Et on a voulu découvrir cela. On n'a pas eu le temps de prendre beaucoup de squishy poo, parce que bah, c'était en rupture de stock, hein, Sindel? Ouais. Ouais, donc quand on a vu les wishy squishy pets, là, on s'est carrément, littéralement jeté dessus. Oui, parce qu'il avait plus de caca pour en fait. Ouais, et donc on a très hâte de découvrir cela. Donc, Sindel va les découvrir en même temps que vous. Alors, je décide par ouvrir celui-là. D'accord. C'est parti pour le premier. Ah, alors derrière, il y en a. Facile, là, ah, ça c'est bien. Alors derrière, il y en a quelques-uns. Alors peut-être qu'on aura des exemples. Est-ce qu'il y en a un que tu veux en particulier? Est-ce qu'il y en a un que tu veux en particulier de la collection? Attends, je vois. Elles, ils sont derrière en fait, derrière le sachet. Ah oui, ils ont une montre là. Ah bah tiens, moi je vais voir ça. J'aimerais bien voir la vache ou la licorne. La vache ou la licorne? Eh, moi j'aime bien. À mon avis, la chatte. D'accord. À mon avis, le rare, c'est la licorne. Ben moi, j'aimerais bien voir celui. Ouais, voilà, la licorne, oui, le squishy licorne. On dirait. Bah oui, non, c'est. Alors. Il y a des trucs de jeu là derrière. Ah ouais, mais il y a encore tout ça. Ah oui, alors d'accord, il y a la licorne, le chien, le cochon, le panda, le phoque, le tigre, le chat rose, le poussin, la vache et le lapin. Oh, alors. La vache. Oh la vache, c'est un indice ça? Ah non, c'est pas un indice. Alors vas-y. Bon, alors, j'espère que tu auras gain de colle. Oh, j'ai une vache. Tu as eu la petite vache. Ah, c'est hyper montre-nous. Bah, vas-y, montre au petit copain pendant que je te trouve ce qui tu as eu. Alors, ce petit livret, hein, comme pour les autres livrets des Squishy Poo, eh ben, il y a les jeux et il y a les noms sur tout le livret. Voilà. Alors, montre-nous. Oh. Est-ce que c'est le même fabricant? Oui, oui, c'est le même fabricant. Bah oui, c'est de chez Altaïa. Regardez-moi ça, les petits copains, les petites copines. Elle est toute douce, c'est incroyable. C'est vachement doux, on n'a même pas envie de la plier, la pauvre. J'ai l'impression qu'elle est encore plus moelleuse que les cacas. Ouais. C'est trop beau. Ouais, elle est plus moelleuse. Moi, j'adore l'odeur. Hein. Par contre, elles sont presque pareilles que les cacas. Ouais, bah, c'est la même matière. Hein. Tiens. Hop, elle est toute douce. Peut-être pas le même parfum. Et peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes odeurs. Peut-être. Alors, pendant que tu ouvres les autres, moi, hop là. Je vous ai secoué un petit peu. Pendant que tous les autres, je vais chercher le nom ici dans le petit livret. C'est ici. Ah, tu les as ici. Alors, tu trouves la vache, comment elle s'appelle? Là, ça, c'est beau. Ben, c'est le nom. Ben, trouve-la. Oh. Regarde comment elle s'appelle, la vache. Dudu. Dudu. Tu veux voir? Dudu. Bon, ben, c'est Dudu. C'est la Dudu. Là, ici. Voilà. Moi, je veux Star. Star, je veux Bibi le panda. C'est qui Star? Star, c'est la licorne. Moi, je veux la. Allez, on va croiser les doigts pour avoir la licorne. Je croise les doigts. Est-ce qu'on a la licorne? Sindel fait son unboxing en mitouflé dans le plaid. Viens, je t'aide un petit peu. Je te fais la pré-ouverture. C'est vrai qu'il n'y a pas d'ouverture facile. Et c'est ce qu'on reprocherait à ces packagings, mais sinon ça va. Donc j'espère que j'ai la. Allez, on va espérer. Alors, roulement de tambour. Tu dis rien, hein, non, 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 bah je dis rien, je vois rien de toute façon. Le cochon. Tu vas perdre tous les animaux de la ferme. Ah, ils sont de la même odeur. Et alors, le cochon, comment il s'appelle? Il s'appelle Fifi, le petit cochon. Tu nous le montres? Voilà, Fifi. Coucou, les amis. Et maintenant, Sindel va ouvrir le troisième squishy. Ah, des... Ils sont trop beaux. Ils sont tout mous. Tout mous, tout mous. Et ils sont... Oh, je vais me régaler avec ça, moi. Non, tu sais quoi? Je crois que ta sœur va encore vouloir te le piquer. Non.
comme les Tsum-tsum. Hop. Oh, le cochon. Ah oui, il s'appelle Fifi. Ouais, il s'appelle Fifi. Allez, on continue, mademoiselle. Et on croise les doigts. Alors, on croise les doigts pour avoir la licorne. La licorne, mais on croise aussi les doigts pour ne pas en avoir en double. Ouais. Ta-da. Je dis rien. Je te l'ouvre à moitié. Alors, les petits copains et les petites copines, est-ce qu'on va avoir celui-ci? Mystère et boule de gomme. Tiens, prends les bras. Cindel, elle implore les esprits des squishies. Alors? Ah! Les poussins! Mais c'est pas grave, ils sont beaux quand même, hein? Ouais. Tu vois? Alors, poussin, comment il s'appelle? Il s'appelle. Je vois, ah! Alors, je te dis pas comment il s'appelle, moi j'ai vu. Tiens. Voilà les petits copains et les petites copines. Ça, mais ça fait Gigi. Et ben voici Gigi. Il est beau. Il est toujours aussi mou, pareil que les autres. En fait, on dirait qu'il y a du sable dedans, tellement ils sont mous mais consistants. C'est bizarre. Mais franchement, c'est un plaisir à. Ah, il y en a 10. Oui, je pense que. Oui, il y en a 10, oui. 4, 5, hop là. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, c'est parti pour le quatrième et dernier. On croise toujours autant les doigts pour ne pas avoir de double. Tu as Gigi, Fifi et Dudu. C'est quoi ces noms? C'est un peu le bazouille là, il y en a partout. Alors je te fais la pré-ouverture. Tiens. Alors? Je dis rien. Non, toujours pareil, je dis rien. J'étais sûre ah, et certaine. C'est le panda. Ouais, c'est le panda. Franchement, j'étais sûre et certaine, je me suis dit, là, c'est le panda. Ouais, je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que tu dises après, ouais, tu t'as regardé et tout. Tu vas voir le petit panda. Et pendant ce temps, t'as qu'à chercher le nom. Donc voici, hop, le dernier petit squishy. Franchement. Bibi. Alors, voici Bibi. Je conseille ça aux enfants, bien sûr, hein, mais aussi aux parents parce que planqué dans la poche, hein, c'est vraiment super. Même dans la voiture, plutôt que de crier, de vociférer, voilà, par la fenêtre. Fait du bien. Et puis Bibi reprend sa forme. Et puis voilà. Donc ça, moi je trouve ça très pratique, trop mignon. Et non. Aussi bien pour les enfants que pour les petits. Non, mais il est à côté. De l'autre côté. Il est devant toi. Ah oui. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ces petits squishies? Trop bien. Ouais, il va falloir qu'on continue, hein, puisque on veut tomber sur la licorne. Donc déjà. Sur le chat. Là, sur le déjà, chat, on a eu. Toi tu vises le chat. Ouais. Bah du coup, tu vas pouvoir les mettre avec tes caca squishies. Donc voilà. Voilà pour ce petit unboxing sympathique qu'on avait envie de vous faire sur les squishies, les nouveaux squishies. Et donc, du coup, c'est des Wishy Squishy Pets. Vous pouvez les trouver un petit peu partout dans les presses. Ils coûtent 4,99€ pièce. Et ils sont de chez Altaïa. Voilà. Oh, la tête. Bon, et ben voilà. On va se laisser sur ces quelques images. Bon, Cindel, on a terminé cette vidéo. Il est temps de quitter les petits copains pour les retrouver sur les Vlogmas de ce soir. De ce soir. Je ne sais pas lequel ce sera, puisque je ne sais pas quand je posterai cette vidéo. En tout cas, moi, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis à très bientôt et je laisse Cindel conclure cette vidéo. À très bientôt. Les petits copains, les petites copines, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un max de bruit en commentaire. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ça nous fera super plaisir. On vous dit à la prochaine vidéo et on vous fait des gros bisous.